Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue sur la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo funny moment des compilations de live. Et aujourd'hui c'était bien sympa, vous allez voir. N'hésitez pas à lâcher un petit like les amis et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite un bon visionnage à tous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Navex. Peace. Bakuchou. Bien sûr moi, on va... Ça va bien avec mon survêtre. Wesh. Oh. Fais gaffe hein, là tu te prends un camion ou un truc, tu meurs instant. Là je frise. Non. Ah, il est mode. Et t'as perdu ton pistolet? Bah faut qu'il vienne me réanimer l'autre. Putain, j'en ai marre là. Casse-toi, maman parle, casse-toi, dégage, c'est moi, je parle de toi. Ah, j'ai envie de faire pipi. Casse-toi. Vas-y, dégage, casse-toi. J'ai envie de faire pipi. Non, vas-y, déconne pas. Vas-y, c'est bon. Arrêtez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Ambulance, là. Arrêtez-vous, j'ai envie de faire pipi, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, je vais pisser sur la route. J'ai très envie de faire ses besoins. Ça fait du bien. Je suis pas là, je suis loin de toi. Toi, tu me vois sur la bosse, je suis au premier lampadaire là. Oh putain. Oh Guy, oh. Casse-toi. Putain, mais il m'a pris là. Et le père fourré. Oh, mon petit père fourré. Ah, et le camion m'écrase. Ah. Père fourré. Oh. Oh, mon petit père fourré. Oui, je suis venu quand même de mon plein gré. Oui, oui, j'ai vu ça. Ah, je l'entends, ta fiole là. Il va finir en prison. Ah, montre ta tête, je t'entends là, montre ta tête là, que je vais te défoncer ta gueule du tout madré là, espèce d'enfoiré là. La putain du tout madré, tu vas mode. Mais comment ça, je vais m'expliquer, je vais pas aller en prison. Tu vas voir, tu vas mode jusqu'à la fin de tes jours. Passe la cellule pour l'instant. Passe la cellule là. Rentre dedans et tu vas y rester jusqu'à la fin de ta vie. Oh, combien. Eh, vous avez vu, outrage à agent, monsieur l'agent. Vous avez dit, il a insulté votre... C'est dans le même cas, restez calme s'il vous plaît. Et il vous a insulté votre accent, hein, ça c'est le plus important, l'accent, vous savez. C'est ce qui fait un homme. Et là, il a cassé votre dignité d'homme. Ah oui. Et là c'est fini. Hein. Là, en tant que flic... Comme vous voulez, monsieur. Ah. Franchement, moi, je me laisserai pas faire. Hein. Mettez-le en prison, c'est une petite raclure de bas étage. C'est une petite raclure. Tu m'entends, Guy? C'est déjà cassé l'autre là. Monsieur, je vous prie de vous calmer pour la deuxième fois. Oui, c'est bon, j'arrête. Y'a quelqu'un, Tommy? Oh, c'est qui ça? Ok. J'ai reconnu cette voix. Allô? Y'a quelqu'un? C'est dans ma tête ou quoi? Je te parle depuis les toilettes, depuis les coups. Ah bon? Regarde dans les toilettes. D'accord, j'arrive. Merci. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà ce que tu vas faire, tu vas démonter les toilettes. Je vais démonter. Tu vas entrer dans les toilettes. Tu vas rentrer dans le toilette et tu vas tirer la chasse. Comment? Il va essayer, mais ça va être compliqué, comment? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie là? Satan, c'est toi? Monsieur, c'est pas ce qu'il dit, monsieur, c'est dangereux. C'est le diable, hein. reculez. C'est Yipro. Qu'est-ce qui se passe? C'est grave. Mon collègue, comment je fais la voix là? Comment je fais? Dans un instant, les policiers seront morts. D'accord. Vous avez tout de suite arrêté de serrer satanique s'il vous plaît, sinon je vais trouver une tirée. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le s'il vous plaît. Reculez les toilettes. D'accord. Les complices, monsieur, les complices. C'est quoi, serrer satanique bizarre, là? Je sais pas, moi, je sais pas. C'était très bizarre. Puis quand Satan, il occupe des prisonniers comme ça.
T'es quelqu'un de dangereux, je vous l'avais dit. Bon, qu'est-ce qui se passe encore en bas là? C'est un cas de schizophrénie gravée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il est trop fort, il prend. On va parler avec les médecins de l'EMS. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est. J'ai l'impression que monsieur Enrique, ici présent, avait problème de schizophrénie. Bah, il y a une voix qui l'a poussé à aller aux toilettes. Vous voulez que j'aille dans les toilettes? Oui, bah, vous avez les toilettes derrière, monsieur, donc si elle vous redemande, elles sont juste derrière vous. Non, okay. Mais la voix, elle veut que je m'enfuie par les toilettes. Elle avait l'air plutôt agressive, hein. Ah, que vous vous enfuyez par les toilettes. Eh bah, essayez de passer pour voir, hein. C'était le malin. De toute façon, la cellule est fermée, vous pouvez pas passer. Oui. C'est pas ça, il va essayer. Il est tellement fou. Ah, mais vous inquiétez pas, il passera pas. J'ai pris les clés dans l'accueil. T'inquiète pas, je vais te sortir de là. Vous voyez, vous êtes où? La voix? Où vous me voyez? Ils vont me tuer. Sortez-moi de là, ils vont me tuer, mettez-moi ailleurs s'il vous plaît. Alors, c'est quoi ce bordel? Non, ce que je vais faire, c'est que je vais le viser, vous allez le fouiller pour vérifier qu'il a bien pas les clés de la cellule. Je vais faire ça, S'il a les clés, vous lui enlevez. Mais non, j'ai pas les clés de la cellule. Un petit truc. Ah non, on va vérifier quand même. Oui, vous provoque en plus, c'est fou. Donc monsieur, on va vous fouiller. Levez bien les bras. Oui, je lève les bras, c'est bon. Faites pas de gestes brusques. Pas problème. Ah, vous voyez que c'est pas moi, c'est Guy, le psychopathe là. Question, oui, monsieur. Oh putain, il est de retour. Il est où? Putain, on va tous crever, c'est hanté. Il est hanté, ce commissariat. Il est hanté. Monsieur, il a peur. Calmez-vous. Est-ce que. Parce que, apparemment. Sans formation, donc c'est normal. Est-ce que vous avez une arme, monsieur? Quelque chose qui pourrait nous intéresser? Est-ce que ça vous dérange si on vérifie? Vous pouvez venir ici s'il vous plaît. Je suis pas rassuré. Je vais fouiller. Il est infecté. Exactement. Venez me chercher. Merci monsieur de coopération. Je vais tout sauter. Vous inquiétez pas, les barreaux sont solides. Les barreaux sont solides, vous n'avez rien à voir. N'allez pas à l'accueil, c'est un piège, ça se trouve, il va venir nous buter. Le cadet, je te vois. Je pense que monsieur Tommy allez se nourrir un petit peu. Regarde le chat. Moindre problème, vous m'appelez. Pas de problème. La radio. Vous inquiétez pas, il va voir ce qu'il y a au-dessus, y'a rien, vous inquiétez pas, c'est juste du stress, je pense. Le cadet. Ah, mais c'est hanté ce truc, oh putain, putain, il veut retourner dans mon pays, c'est ce truc de psychopathe, ce truc. C'est interdit pour l'instant, c'est deux personnes pour leur sécurité. Monsieur le cadet, vous êtes un commissariat, il va rien vous arriver. Ferme ta bouche. Le cadet, est-ce que tu as peur? Vraiment. Le cadet! Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu, qui êtes-vous? Vous êtes où? Montrez-vous. Regarde à ta droite. Mais c'est une voix, c'est une voix, c'est un esprit. C'est un esprit, il va nous tuer tous d'un coup comme ça. Baisse ton arme, je te vois. Ça vous êtes qui? Avance droit devant. T'attends. Avance droit devant. Appelez du renfort là. Je dirais la messe plus souvent, mon dieu. Bizarre. Les yeux, aidez-moi. Arrête de bouger comme un asticot. Il vous voit, et vous le voyez pas, c'est un esprit, il va tous nous buter d'un coup, il va nous faire imploser nos cerveaux et on va exploser, on va mourir, on va tous mourir. Merde. Pas appeler un prêtre là, c'est plus mes fonctions ça. Fais sortir les deux individus ou je te fais sauter. Vous êtes qui? Oh. Pense ton âme, descends ton âme. Laissez-moi, j'ai rien fait, je... Pour la dernière fois. J'ai un arme braqué sur toi, je te vois, mais tu me vois pas. Lève les mains! Brigadier, y'a un gros problème là. La voix me rassure vraiment pas. Les mains en haut! Les mains en haut! Spécial. Salut Extrême! Calmez-vous, ça va mon 4. Voilà. Les mains en haut, j'ai dit! Manipule des portes, je suis pas rassuré, chef. Je comprends pas, c'est étrange. Hein. Ah maman. Moi tout. Maman. L'esprit, je sais pas ce qu'il est.
La porte est toute seule, je suis pas rassuré, vraiment, je... La porte du milieu, c'est mise à... Y'a un esprit dans le commissariat, là, il va tous nous faire imploser nos cerveaux, on va tous mourir d'un coup, on va comprendre votre vie, bordel de merde. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Y'a peur, bordel. Y'a pas d'esprit ici. Je panique, le pauvre. Y'a pas d'esprit ici, y'a pas d'esprit, calmez-vous. Monsieur, la porte arrête, Putain. Inferno. Ah, c'était lui, l'esprit. Dans la deuxième cellule, allez. Ouais, mais je connais dans la deuxième. Dans la deuxième cellule tout de suite. Bonjour. Allez. C'est lui le canulaire là. On rentre dans la deuxième cellule tout de suite, monsieur. Je viens d'arriver, j'ai dit juste que le monsieur ressemble à Superfona et. Tu rentres dans la deuxième cellule. La deuxième. Allez. Oh, la deuxième, pardon, de tout à gauche. Hein, c'est la même chose. Pas de bad gueule, s'il vous plaît. En tout cas, monsieur, excusez-moi de vous avoir cassé un peu la tête, hein, mais c'est de, c'est de mon nature de voilà quoi, de parler sans m'arrêter. Ouais, ouais. Mais, je comprends, y a pas de souci, y a pas de souci là-dessus. Oui, non, mais j'ai bien compris. Mon couteau, ça j'aime pas, tu vois. Vous voyez. Ouais. J'ai bien compris, j'ai bien compris, monsieur. J'ai bien compris. Parce qu'on est à Los Santos et il y a beaucoup de. De criminels et pour la défense, vous voyez ce que je veux dire? Un petit couteau, oui, je vois. C'est pas rappelez-moi fait, combien ça coûte un couteau? C'est 400$, je crois. Non, mais c'était pour savoir si j'avais assez de liquide sur moi. En plus, le capitaine m'a mis 10 000 $ d'amende alors que j'ai rien fait. Moi, j'ai dit que vous ressemblez à Super Connard, Cyril, un youtubeur. Voyez, il fait. Il est humoriste. Voilà, c'était pas méchant, mais bon. Après, si vous avez cru que je vous ai traité de connard, c'est pas tout à fait ça. Hein. C'est pas du tout. Ah oui. Comment dire l'espagnol vous êtes les meilleurs et fait pica. Ah oui. Eh oui, vous êtes les meilleurs. Bande de requins, vous êtes les meilleurs. Ah, muchas gracias. Ah, 10-4, je vais voir ça avec le capitaine. Passez une bonne soirée, monsieur. Ah, je veux plus. T'es ouf toi, pourquoi t'es ça? J'étais pas prêt pour celle-là, Réfère. Ah, j'ai failli me pisser. J'ai envie de me pisser dessus à cause de toi. Je pleure. Je pleure de. Aussi... Je pleure. Ah, c'est lâche toi. Oh putain, j'en peux plus. Tu veux savoir ce qui est si drôle, s'il vous plaît, messieurs? Ah, est-ce que... Je m'entends depuis l'extérieur. C'est pour moi les spectacles, je lui ai fait une petite blague. Ça, apparemment, ça marche. Ah, il m'a fait rire, il m'a fait une blague, là. Oh putain. Oh, j'en peux plus, monsieur. Il a failli me tuer. Je vais pas vous spoiler, monsieur, vous allez voir dans mon, dans mon spectacle au centre. Ah. Ouais. Oh là là. Mais vous êtes les meilleurs. Ah oui, vous êtes les. Ah oh, putain. Ah. Oh. Ah. Ah. J'ai mal au ventre, putain. Qui ça? Oh, vas-y, il a des sous sur lui, il va acheter une voiture. Il va acheter une voiture, putain, il va me niquer. Achète pas ton véhicule, mec, tu restes là, allez, tu sors de là, vas-y, on t'a un jour, tu sors de là. Allez, hop, hop, hop. Tu sors de là, là. Oh, sors de là, voilà, bien. Et ça, monsieur, mon collègue, il veut te parler là. Va dans le bureau. Va dans le bureau là, derrière. Vite. Ah, très bien. Je reste devant. Moi. C'est quoi toi de lui. C'est quoi ton petit nom? C'est Djoko, mon prénom. Djoko? Comme Djokovic? Le joueur de tennis? Exact. Sur les flics, y'a les flics! Ah oh, monsieur, à l'intérieur, lâchez tout de suite votre arme! Rentrez pas, je le bute! Rentrez pas, je le bute! Rentrez pas, je le bute! Rentrez pas, cassez-vous, je le bute! Cassez-vous, je le bute!
Partez, vite. Monsieur, calmez-vous. Monsieur, partez calmez-vous. Vite. Je vais le buter, je vais le buter. Monsieur, non, c'est bon, monsieur, je m'en vais. Partez. Je veux pas vous voir. Ah, j'ai dit, partez. Qu'est-ce, quel humour. Quel humour. Mais pourquoi t'es jaloux, toi? Moi jaloux? Cogno, casse-toi. Aïe. Je serai jamais jaloux de toi, d'une espèce d'enculado comme toi. Ah là là là. Par contre, Guy, je vais pas piloter, ça va pas être possible. Regarde, il descend direct, ça c'est le respect, ça. Ça c'est le respect, ça. Il descend direct. Ouais, mais moi, contrairement à toi, je respecte pas. Ah voilà. Bah oui, mais moi, il y avait pas mieux. Allez, monte. Salope. Oh là, allez, viens. Ouais, c'est bon, t'as gagné. Ah, ouais, ta gueule. Allez, ah, salut, là. Ah, putain. Oh, putain. Oh, il m'a tiré dessus, l'enfoiré. Allez, je vais dans ce bar, c'est bon, il m'a saoulé, là. C'est vraiment un enfoiré. C'est vraiment un enfoiré. Non, récupère-le. Mais par contre, il va en prendre très cher. Je vais lui mettre une patate, là, parce que là... Là il fait le con, là il est en train de faire le con. Et par contre, faut qu'on nique, entre nous là. Ah là, oui là, parce que là... Là je suis désolé, là... Il est con, il regarde même pas derrière lui. Ah désolé. Attends. Derrière toi David, derrière toi. Il y a un psychopathe. T'inquiète. Un Guy mode. Alors Guy, il s'est fait buter par un PNJ, putain le loser. Putain, bien fait pour toi, tu m'as tiré dessus là. Et règle numéro 1, ne jamais tirer comme ça. Et n'oubliez pas qu'à la fin, ouais. Guy... Guy ma... Écoute-moi Guy, la prochaine fois évite de faire des coups comme ça, parce que on est là pour des choses sérieuses. Mais on n'est pas là pour faire les oeuvres. Ne tire. Vous m'abandonnez comme ça, au milieu de, je sais pas où, des chats. Mais comme si on allait t'abandonner et utiliser son arme comme ça, oh, pour rien. Tais-toi et bois ma pisse. C'est irresponsable de ta part. Allez. C'est irresponsable de ta part. On perd du temps, on se fait repérer. Appelez l'ambulance là, putain. On va se faire repérer, on perd du temps, on perd de l'argent. On perd de l'argent, voilà, on perd de l'argent. Tiens, je pète ça dans la gueule, passe à ça de quoi, connard. Oh putain, je vais le niquer. Allez, relève-toi. Je vais le niquer. Tu vois qui c'est qui maîtrise l'autre. Mais il est con lui, putain. Mais putain. Mais il est toujours un traître. Toujours un traître, le mec. Toujours un traître. Oh my god. Oh my god. Oh, putain, après ce qu'on fait les gars, on se saute en parachute, d'accord. Ça va être stylé, non? Non, on lui pète pas son hélico, ça craint, vas-y. Ah, t'inquiète. Vas-y. Non, pas ici, par contre. Oui, on le fait juste au point. Et en fait, le but, ça va être d'arriver au truc pour vendre la farine, ok? Et du coup, bah, le premier qui arrive. Ouais, t'inquiète. Eh ben, il a gagné tout l'argent. Venez, on fait ça. Le premier qui arrive. En bas et en parachute, ouais. Et qui se pose. C'est un mytho. Il gagne tout l'argent. Bah ouais, non mais. Jure-le, tu me donnes les sous si j'arrive avant toi. Ouais, vas-y, ouais, maintenant ouais. On fait un petit jeu, bah de toute façon, c'est. Et on verra qui va gagner. On a fait en. Non mais le jeu de la. Enfin, l'argent de la récolte, tu vois, genre le. C'est tout. Ouais, voilà, ouais, t'inquiète. Bah c'est moi, allez, vous êtes prêts? Vas-y. 3, ouais. 2, 1, sautez. Oh le con. Il a pas de parachute. Le con. Oh bien joué. Putain, d'un moment donné, t'as le sauté, ouais, j'ai pas putain, le mec il m'a compris. Mais non, mais oui, j'ai compris, t'inquiète. Oh putain. Regarde ce que ça peut écrire. Avec qui mode. Mais il est con. Il s'écarte. Oh putain. Eh mais lui il s'est cru sur GTA 5 online lui. Mais j'en peux plus. Mais non. Oh non. Je suis mort. Mais je suis mort. Qu'est-ce que t'as foutu? Ils sont tous morts. Oh j'en peux plus.